Bonsoir à mes téléspectateurs d'Aflex Sport TV, bienvenue dans votre rubrique analyse. Nous allons dédier ce numéro au Ballon d'Or France Football 2021 qui a été décerné à Lionel Messi qui remporte ce titre pour la septième fois de son histoire. 180 journalistes ont voté et Lionel Messi a devancé carrément Robert Lewandowski avec 613 points et le joueur polonais qui a enregistré 580 points. Mais après avoir décerné ce titre à Lionel Messi, il y a eu énormément de polémiques des observateurs du football qui ont crié au scandale, on a vu la presse allemande aussi qui a crié au scandale Lewandowski avec une très belle saison avec le Bayern Munich aussi, certains estiment qu'il mérite carrément le Ballon d'Or tout comme Lionel Messi. Certains ont pris position pour dire qu'il a aussi mérité le Ballon d'Or. Mais par rapport à notre point de vue selon nous, Lionel Messi ne méritait pas ce titre de Ballon d'Or, c'était bien Robert Lewandowski qui avait largement mérité ce titre pour une raison très simple, son de performance en janvier au 24 octobre, date de clôture du scrutin aurait été bonnement éblouissant. On peut évidemment s'arrêter aux statistiques et ses buts marqués qui, se, qui ne seraient déjà un argument de poids et a suffi à d'autres pour décrocher un ballon d'or doré. Mais on peut aussi dire qu'aucun footballeur n'a hissé ses standards autant que lui et tout au long de l'année, en tout cas. Par Lionel Messi Lewandowski, 64 buts inscrits durant l'année civile 2021. Et chaque semaine, il ne cesse de faire monter ses statistiques. Ses 64 buts inscrits en 53 rencontres disputées fait de lui le meilleur buteur d'Europe, bien devant ses joueurs comme Mbappé, Messi, Alan ou encore Karim Benzema, sans oublier qu'il termine meilleur buteur du championnat allemand avec 41 réalisations. Et concernant les performances collectives, il faut rappeler qu'il a tout remporté avec le Bayern Munich en 2020. 20. Malheureusement, il n'a pas reçu le ballon d'or à cause de la pandémie du Covid-19, mais Lewandowski n'a pas baissé les bras. Bien au contraire, puisqu'il a continué à affoler les compteurs lors de la saison 2020-2021, où il a remporté la Boule de Siga, la Supercoupe d'Allemagne, et qu'il a une fois, une nouvelle fois, terminé meilleur buteur du championnat allemand. Et cerise sur le gâteau, il a aussi battu le légendaire record de Gerd Müller en inscrivant 41 buts lors d'une saison de Boule de Siga. De l'autre côté, la, le fantastique footballeur qui est L'Argentin Lionel Messi, désormais sept fois ballon d'or, n'a pas fait une année immense. Impossible d'avancer le contraire, surtout si l'on se penche sur tout ce qu'il a accompli depuis le début de la saison en cours. Pas plus de quatre buts avec le Paris Saint-Germain, même s'il remporte sept la Copa América. Lewandowski s'est fait sortir à l'Euro dès le premier tour. Avec la Pologne, il n'a manqué que trois buts durant le championnat d'Europe et a même quitté la Ligue des champions dès les quarts de finale au terme de deux matchs face au Paris Saint-Germain, qu'il n'a pas pu disputer à cause d'une blessure. La polémique est tellement grande que le patron du Ballon d'Or était obligé de sortir de son silence. Pascal Ferrer, rédacteur en chef de France Football et responsable du Ballon d'Or, s'est justement exprimé avec le média allemand Watson à ce sujet. Je n'ai pas mis Messi en premier j'ai bien choisi Lewandowski en premier et concernant le système des votes il pense qu'il faut bien les revoir lui le patron du Ballon d'Or estime qu'il faut améliorer la façon dont on délivre le Ballon d'Or nous pouvons y penser en même temps nous devons respecter l'histoire du Ballon d'Or qui est basée sur les élections nous ne pouvons pas le savoir parce qu'il n'y a pas eu d'élection mais pour être honnête l'année dernière Lewandowski aurait eu de grandes chances a-t-il confié le rédacteur en chef de France Football ce qui veut dire qu'il y a problème au niveau des votes des 180 journalistes qui ont décerné ce titre à Lionel, mais si la polémique va toujours continuer à exister tant qu'on ne revoit pas la façon dont les votes, mais aussi les critères, parce qu'il faut aussi rappeler que les performances individuelles des joueurs par exemple, Robert Lewandowski, qui enregistre plus de 64 buts lors d'une saison, fait de lui un deuxième, alors que Messi n'a pas fait la même chose sur cette même saison. Certes, il y a d'autres critères comme le palmarès, la carrière, la classe du jour, mais ce qui est privilégié et carrément la performance individuelle du jour. Et pour terminer, chers amis, il faut toujours rappeler que cette saison 2021-2022, Lewandowski continue à faire monter ses statistiques. Il a enregistré 25 buts en 15 rencontres, dont 9 de ses buts marqués en 5 matchs de Ligue des Champions. Il reste un très grand attaquant actuellement, le meilleur attaquant d'Europe. Raison pour laquelle... Pour nous, Lewandowski devrait remporter ce titre de Ballon d'Or France Football 2021. Avant de vous quitter, la question, justement, chers amis téléspectateurs, êtes-vous d'accord avec nous Ce titre devait être donné à Lewandowski. Merci et bonne fin de soirée.